On va parler maintenant de la suite, de la transmission des entreprises. C'est un thème, un dossier compliqué, parce que ça n'est pas facile de transmettre son entreprise. Non, c'est même pour certains un choc. Alors, le président de la République vient d'annoncer des mesures, non seulement de simplification administrative, mais aussi d'abaissement sur les plus-values des entreprises. Ça, c'est une excellente chose. D'autres mesures, comme la protection du patrimoine, ne sont pas des mesures nouvelles. Mais il faudra qu'on m'explique aussi comment on fait pour emprunter 200 000 euros pour acheter un four, par exemple, et que la banque ne demande pas de caution. Il faudra qu'on m'explique comment on fait. Moi, je ne sais pas comment on fait. Donc la transmission, oui, parce qu'entre ce qu'un artisan y a consacré 25 heures par heure, par jour, dans son entreprise, il estime que tout cette sueur versée vaut un certain prix, alors qu'on oublie simplement un petit détail, c'est en vérité, c'est quelle est la capacité d'endettement du racheteur. Donc ça aussi, nous accompagnons à la Chambre de métiers, nous avons des experts, entre autres un clin d'œil à Sonia qui est quelqu'un qui a fait un travail exceptionnel, qui accompagne et qui aussi valorise l'entreprise et qui va rechercher un repreneur. Et ça, c'est des services qui nous aident, car la pyramide des âges fait que nous avons beaucoup d'entreprises et on estime à peu près qu'il y a 30 000 entreprises artisanales qui chaque année, au niveau national, ne disparaissent par faute de repreneurs. Et ça, on pense que c'est dommageable pour le savoir-faire de ces entreprises artisanales qui répondent à un besoin, moi, que je dis toujours, un service au public sur les territoires.